Un midi à Paris, nous décidons de nous offrir une petite douceur, une tarte tatin. Évidemment, nous n'avons pas choisi ce dessert et ce restaurant par hasard. Nous sommes venus pour faire un test. Moi, j'avais envie de sucré, j'ai pas été déçu. Hein. C'est très bien. C'est très sucré. Hein. C'est bon, là, la tatin est bonne. C'est tout mou. Ah. Comme vous l'avez fait réchauffer au micro-ondes, la mettez pas au four. Ah non, parce qu'elle était déjà au four. Parce que vous le remettez au four, ouais. Ça veut dire la tatin là, elle va cramer. Ah. Ah ouais. Ah après, ouais. C'est plus une tatin. Mais c'est quoi? C'est un produit frais ou c'est un produit congelé? Non, c'est frais. Tout est frais. Même du couscous. Pourquoi vous me racontez des bêtises? C'est un produit congelé, ça. Non, c'est pas congelé. On parie? On parie. Marche. Regardez, c'est ça votre tarte tatin en fait. Vous voyez? Ben oui, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est du congelé, ça. Pâtisserie surgelée. Ça, il faut aller à Metz. Ça, vous reconnaissez, ça? Rangis. Ben non, on fait pas ça, non. Mais si, j'ai trouvé dans votre poubelle. Ben non. Je vous assure, j'ai trouvé dans votre poubelle. Ce matin. Ah ben. Vous savez, sur les poubelles, il y a marqué les adresses des restaurants. Il y a marqué le nom du restaurant. Voilà. Donc on fait des poubelles, puis après on va manger, puis après on teste, quoi. Ben c'est bien, mais elle est bonne. Mais non, elle est pas bonne. Ce restaurateur n'est pas un cas unique. Aujourd'hui en France, des milliers de restaurants servent des surgelés aux clients à leur insu. Et